Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau débrief. Et les mecs, celui-là c'est un débrief un petit peu spécial parce que je suis en compagnie de Ok, les mecs, on va faire ce petit débrief. Un petit débrief qui va résumer Marseille-Bordeaux. Bordeaux, voilà, un match qu'on attendait souvent parce que les mecs, Marseille, je crois, ça fait je sais pas combien de temps ils ont pas battu Bordeaux. Et là, ils les ont enfin battu, les mecs. En plus, pas qu'une petite victoire, hein. Et oui, parce que ben. Voilà, c'était moi perso, les mecs, je voyais encore un match nul au Vélodrome, mais finalement. Mais Marseille, ça n'est bien sorti. Hein. Les gars, on va pas perdre de temps. On commence direct avec la première action. Florian Thauvin. Cinquième minute. Dès que la cinquième minute de jeu, il y a but. Florian Thauvin. Du coup, là, il nous habitue à ses beaux buts. Et Marseille, bah, qui est directement sur la bonne piste dès la cinquième minute de jeu. Et ça fait très plaisir pour nos amis marseillais. À resserrer niveau milieu. Et oui, les gars. Voilà. Mais les mecs, dans cette première mi-temps, on va pas avoir qu'un but. On va aussi avoir le but de Jordan Amavi, les mecs, qui va permettre aux Phocéens de faire le break, de breaker face à cette équipe bordelaise qui était très diminuée aujourd'hui. On l'a vraiment senti. Voilà, 2-0 à la mi-temps. Marseille ne peut pas être ne mieux. Ne peut pas être mieux en commençant ce match. Ils sont vraiment beaucoup trop bien. En plus, la mi-temps passée. Allez, 20 minutes après la mi-temps, but contre son camp de Pablo à la 64e. Ce qui met vraiment Bordeaux dans une mauvaise faille. Ils perdent 3-0. C'est mauvais là. Assez mauvais, c'était très 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 mauvais comme tu le dis, New Foot. Et voilà, après, ils nous ont habitués à mieux les Bordelais là. Ouais, surtout qu'ils font un bon début de saison malgré leur match de merde, on va dire, parce que voilà, plusieurs 0-0. Contre Lyon, contre Nice, contre Nantes. 0-0, c'est vraiment un peu chiant. Mais voilà, là, on a eu des buts, on a eu des buts, et on a aussi eu un but pour Bordeaux, les mecs. À ne pas oublier, même si voilà, ça a un petit peu allégé la note. Mais franchement, les mecs. Ça reste quand même 3-1. Quelle victoire de l'OM qui. Je pense que la trêve, ça leur aura vraiment fait du bien. Ouais, vraiment. Et Villas-Boas a pu peut-être retravailler ses consignes tactiques. Et on l'a senti parce que Marseille était très très bon dans cette rencontre. Et toujours impliqués sur les matchs, ils sont toujours à fond. Et c'est ce qu'ils ont prouvé contre Bordeaux encore une fois. Contre Metz, ils n'étaient pas très bons, mais voilà, ils ont su se reprendre. Et ça fait plaisir parce que voilà, l'équipe de Marseille, surtout qu'ils vont jouer leur premier match de Ligue des Champions dans 2 ou 3 jours, les mecs. Dans 3 ou 4 jours, pardon, les mecs. Je sais pas s'ils jouent mardi ou mercredi. Ouais, contre l'Olympiakos, je crois que c'est mercredi contre l'Olympiakos. Je crois aussi. Je leur souhaite un bon match, les mecs. Mais voilà, qui continue sur cette lancée, mais de limite que des victoires. Même si ça va être dur en Grèce, parce qu'on sait toujours que c'est dur de jouer. On sait toujours que c'est dur, mais la Ligue des Champions tout court, c'est tous que c'est très dur. Et même leur groupe après, à Marseille. Comme on l'a vu l'année dernière, Lyon qui a fait quand même un parcours sublime. Ouais, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Bref, les mecs, voilà, ça va être la fin de ce débrief. On espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne de New Foot, elle sera en description. Et ouais, les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est ciao. C'est salut.